Vraiment, parfois je me demande ce qui se passe dehors. Je suis très 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 choqué. Bonjour le bon, bienvenue. C'est une autre vidéo. C'est un truc hors du commun. Je suis tombé sur cette nouvelle. On nous dit que cet homme que vous voyez là-bas, là, il a empoisonné ses deux filles. Hein? En plus, c'était des jumelles. Comment ça s'est passé? Je vous explique. On a dit que le monsieur, tout en étant à la maison, en train de dire, oh, vous là, vous les jumelles, viens vous envoyer, vous rejoindre vos ancêtres. Oh Seigneur, c'est pas la peine. Il dit, ah, vous là, viens vous envoyer. Il a dit, ils ont de la manière dont les parents, quand ils sont fâchés, ils parlent là. J'ai dit, hey, vous là, je vous tue un jour. Je vous tue un jour. Vraiment. Tellement aussi les gens sur les réseaux sociaux disent, ah, si dans ça là, quelqu'un n'est pas mort là, ça va pas s'arrêter. Vous voyez. On ne sait vraiment pas pour quelle raison ce monsieur-là ne faisait que dire cela. Et les gens négligeaient cela. Hein. Les gens disaient, oh, c'est comme d'habitude. Il n'y a aucun problème. Ce n'est rien. Mais au moins les gens vont se rendre compte. Le monsieur a pris ses deux filles, il leur dit, ah, venez, on va leur rendre visite à un parent. Et ses deux filles le suivent. Et sur le chemin, là, il leur envoie dans la brousse et il leur donne des choses à boire. Vous voyez, non, ce sont ses filles. Donc ses filles ne peuvent pas se douter de quelque chose. Et ses filles boivent cela sans savoir que dans ce jus, il y avait du poison. Donc le monsieur a empoisonné le jus et il a donné à ses deux filles, en fait à ses jumelles. Eh Dieu! Ah, jumelles que moi-même, j'essaie de chercher aussi là. C'est là lui, il allait tuer. Ce que Dieu prend du mal à construire, c'est là l'homme, c'est ce que l'homme détruit facilement, en peu de temps. Ah! Et voici que il a empoisonné les deux filles. Et une est morte. Mais l'autre était encore en vie. Elle était en train de crier, ah papa, on a mal. Viens nous aider. Leur père les a laissés là. Et il les quittait. Il partait carrément. Sans se préoccuper de tout ça, il s'en foutait. Il est parti. Et voici que un bon samaritain est tombé sur cette scène. Après, il est venu, il est tombé sur la fille qui était, qui restait encore en vie. C'est-à-dire l'une de ses jumelles, quoi. Et il a posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? La jumelle a tout expliqué. Elle a dit que c'est leur père qui leur a donné un jus. Après ça, ils ont commencé à avoir mal. Et l'une est décédée. Les gens ont fini par comprendre que leur père a véritablement empoisonné ses fils. Pourquoi là? C'est ce qu'on ne sait pas. Mais la population est déchaînée sur le gars. Les gens disent qu'ils veulent sa mort. Ils veulent que lui aussi meure après avoir tué ses jumelles. Vous voyez? Mais une chose est sûre, c'est qu'il a été condamné pour une prison à vie. À vie. Seigneur. Seigneur Jésus. Oh. Regarde ce qui se passe dehors. J'étais là hier et je réfléchissais, je me disais, mais dans ce monde, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et Dieu voit ça. Dieu voit tout. Il entend tout. Ça veut dire qu'il voit les gens souffrir avant de mourir. Il voit comment on tue les gens, on égorge les gens. Il voit la souffrance des gens jusqu'à la mort. Ah, je n'aimerais pas être à la place de Dieu.
pour voir toutes ces choses. Je dis vraiment, c'est grave. Écoutez, mes frères et sœurs, quel conseil pouvez-vous donner à ce gars, à ce monsieur qui est là-bas, selon vous? Quel conseil? En tout cas, c'est ce que ce soit, que ce conseil soit valable pour tout le monde. Écoutez, si vous ne voulez pas avoir d'enfants, ne cherchez pas de femmes. Point. À la ligne. Si vous ne voulez pas avoir de problème, si pour vous les enfants c'est un problème pour vous, vraiment pardonnez. Laissez-les là où ils sont, ne les invoquez pas. Parce que quand vous allez coucher avec une femme, c'est comme si vous invoquez les enfants. Vous invoquez l'esprit des enfants. Mais maintenant que vous avez invoqué l'esprit des enfants, vous voulez quoi? Vous ne voulez plus assumer. Vous voulez fuir vos responsabilités. C'est vraiment terrible. Ce n'est pas un jeune gars de 18 ans, 17 ans, qui dit que, oh, erreur de jeunesse. Mais c'est un homme conscient. C'est là où on voit que dans la vie, là, personne ne choisit où il doit naître, quoi. Tu nais, et c'est tout. Tu peux naître dans une famille riche, comme tu peux naître dans une famille pauvre. Tu peux tomber sur un père gentil, comme tu peux tomber sur un père diable. Hey, Seigneur! Dieu, pardon, faut revoir les choses. Envoie-nous les pauvres enfants ici, au lieu de les mettre dans la main des tueurs. C'est vraiment triste. C'est vraiment dommage. Alors que Moïse a des jumelles, le gars, il a éliminé carrément ses enfants, ses deux petites. Est-ce qu'il était dans tous ses états quand il le faisait? Pourquoi l'a-t-il fait? Ce sont tas de questions que se posent les gens actuellement, même moi-même. Mais nous savons que si c'était les hommes démons, ils n'ont que d'humain leur apparence. Sinon, quand on les scanne, il n'y a rien d'humain en eux. Femmes, cherchez, choisissez les hommes à qui vous avez donné des enfants. On dit qu'à trouver une femme, à trouver le bonheur. Le bonheur que vous avez donné à un homme, ce sont les enfants. Pardonnez. Ne gaspillez pas cette grâce-là entre les mains des gens qui ne sont pas dignes d'intérêt. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine, je vous assure. C'est triste. Mais c'est pas encore terminé. Après cette vidéo, une autre vidéo va venir encore. Des choses de plus en plus bizarres pour moi 2022. Ha! Ça a déjà commencé.